Hello, hello YouTube, on se trouve pour une nouvelle vidéo car nous avons eu une annonce d'un nouveau DLC map sur Homsi 2 via le site Alicon. Donc je prends tout ça après le générique. Allez, top générique! Eh bien, yo ou re YouTube, on se retrouve après le générique. Donc, je vais vous présenter un module complémentaire qu'on a traduit en français via l'icône, mais c'était un add-on qui va sortir prochainement sur Homsi 2. Si on se fie via l'icône, ce sera le 19 septembre 2023, donc c'est-à-dire le 19, ça tombera un mardi. Donc, voilà, ça sera cet add-on que je vous mets juste ici à l'écran, même je vais un petit peu vous le zoomer. Ce sera l'add-on Hohenkirchen. Désolé pour mon accent un peu dégueulasse, mais voilà. Ce sera le futur add-on qui sortira ben, sur Homsi 2. Je vous zoome un peu plus l'écran. Bon, voilà, on m'en voit beaucoup mieux. Bienvenue dans l'extension Hohenkirchen pour Homsi 2, le simulateur du bus. Vivez un voyage passionnant à travers les paysages pittoresques du sud de la Thuringe fictive, caractérisée par des idylles rurales, des paysages de village et des ascensions montagneuses jusqu'au charme urbain, plus urbain. Donc, si vous voyez un peu des mots bizarres, c'est normal, c'est juste le truc français, le traducteur français sur Chrome. Donc, si les mots sont pas très normal et que les phrases sont pas très français, je m'en excuse. Avec la ligne principale de 50 minutes, vous relierez deux villes et découvrez les différents caractères des deux villes principales, Hohenkirchen et Herrenhof, ainsi que le contraste entre les centres-villes et la campagne. Pour les plus aventureux, il existe également une ligne de 25 minutes qui vous emmène à une station de sport d'hiver. L'itinéraire grimpe à plus de 220 mètres d'altitude et propose une balade stimulante à travers le paysage de Thuringe. Une navette assure ensuite la liaison entre le château de Louisenthal, connu comme une destination touristique de la région. Voilà. Après, il y aura peut-être plusieurs lignes. Donc voilà, il y aura peut-être plusieurs lignes, mais pour le moment, voilà, il y aura déjà une ligne de 50 minutes, une autre ligne de 25 minutes qui montera à une hauteur fulgurante. Et une autre ligne reliera les termes locaux entre villages et gares des environs. Il est important de rester à l'heure afin d'atteindre les correspondances comme prévu. Donc voilà. Deux dépôts et quelques déplacements d'entreprise offrent l'opportunité de découvrir les coulisses du transport public locaux et de démontrer vos compétences de chauffeur de bus. Comme point fort supplémentaire, cet add-on propose un bus articulé Iveco Urbanway 18 dans une version modifiée avec un nouveau système d'impression et une apparence adaptée. Un MAN A20 est disponible pour les lignes de bus solo, qui a également été équipé du nouveau système d'impression et d'un Ibis Plus basé sur les modèles réels. Et c'est pas encore fini. Pour rendre l'expérience encore plus réaliste, des annonces enregistrées par des professionnels ont été intégrées pour accompagner le conducteur ou les passagers pendant le trajet, combinées avec des voitures IA contemporaines et un design performant. Le résultat est une image globale, réaliste et harmonieuse qui garantira beaucoup de plaisir.
Donc, comme caractéristique, c'est un peu la synthèse. Une carte homicide variée avec le caractère terrestre de la Turing. De nombreux objets 3D spécifiquement construits pour le charme typique de la région. Un total de 4 lignes variées, certaines avec un patin court. Deux dépôts, déplacements d'entreprise et bus scolaires. Comprend un bus articulé Urbanway et un bus solo Manav, tous deux équipés d'une nouvelle imprimante EIBIS Plus. Conception optimisée, aucun problème de visibilité avec le carreau voisin. Bon, ça, c'est tout ce qu'il vous demande pour faire marcher cette carte. Il faut une version complète d'OMSI2, il faut Windows 10 ou Windows 11 pour ceux qui ont Windows 11. Là, je suis sur Windows 11, donc voilà. Une mémoire. Bah après, ils vous disent qu'il faut par exemple un Intel Core i5. Voilà, il faut un PC un peu plus fonctionnel. Bon, je vous assure, ça d'avoir un PC du futur avec un i9 et 2080, parce que comme si deux est bridé, il n'est pas à 64 bits, mais il est en 32 bits. Donc voilà, le jeu est bridé comme une merde. Donc mettez pas. N'achetez pas un PC de fou pour jouer à OMSI 2. Voilà. Moi, j'ai un i7 1050 Ti de 4 Go de RAM. Ça suffit amplement. Voilà. Mais ce qu'il vous faut, mais il y a quand même une clavier souris ainsi qu'un compte Steam, heureusement. Mais par contre, ce qui est bien pour OMSI 2, à chaque fois que vous installez une map ou un contenu, pour OMSI 2, l'utilisation du Kaddy Patch est recommandée. Et oui. Parce que le jeu est à 2 Go de RAM. Donc avec le pack de 4 Go de RAM, vous passez de 2 à 4. Dites-moi dans les commentaires si c'est vrai ou pas. Ensuite, vous avez quelques images. Donc on va faire des images comme ça. Vous avez ça comme image. Voilà. Vous avez celle-là avec le fameux Iveco Urbanway. Avec l'Urbanway, bien évidemment. On va peut-être faire comme ça. Voilà, avec l'Urbanway et plein d'autres photos. De toute façon, les photos seront, je vous mettrai le lien dans la description de cet article fait par Aligon. Au moins, vous pouvez le lire tranquillement. Vous avez de très belles photos. Regardez, de très belles photos. Ça sera peut-être une photo que je mettrai sur en avant lors de la vidéo. Vous avez le man revisité et cette version. Je crois que je mettrai cette version de la photo. Enfin, je vais la garder. Tenez. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez rejoindre le Discord principal de la JPR, demandez-le en description, parce que nous avons maintenant deux Discords, mais un Discord spécifiquement pour l'entreprise Team JPR, enfin Transport JPR sur OMSI 2. Donc pour ceux qui sont adeptes du multi et qui veulent rouler pour une entreprise sur Bus Compagnie, l'entreprise Transport JPR est là. N'hésitez pas à en discuter en description, on vous donnera toutes les infos nécessaires et vous pourrez rejoindre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je le rappelle, de toute façon il sera marqué dans un bandeau, lors du montage. Nouvelle add-on OMSI 2. Ce sera l'add-on Hohenkirchen. C'est une nouvelle add-on map qui sortira a priori le 19 septembre 2023, c'est-à-dire mardi. Donc tenez-vous à l'affût. Et de toute façon, peut-être qu'il y aura un petit réel pour vous dire que la map est sortie. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Encore désolé pour les bruits de fond parce que j'ai la télé à côté de moi et je regarde la télévision. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Ça fera extrêmement plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives sur Twitch. Donc les vidéos sur YouTube sortiront à 17h45 vu qu'on est en période scolaire. Dans 17h45, j'ai pas, on n'a pas de jour précis, donc on publie quand on veut. Donc voilà, 17h45 les vidéos YouTube et les lives vous serez informés sur le Discord de la JPR. Donc voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Sur ce, ciao tout le monde, bye.